salut, moi c'est Mila et mon animal magique Morphle peut se transformer en tout ce que je veux. Morph-morph. Bonjour Mila et Morphle. Bonjour tante Augustine. Cadeau pour Tati. Nous l'avons fabriqué avec nos bouteilles recyclées. Oh, c'est absolument magnifique. Oh, merci. Je sais, et si je vous offrais du gâteau? Morphle adore les gâteaux. Oh, mon collier, il a disparu. Ne t'en fais pas, tante Augustine, on va le retrouver. Oh. C'est une affaire pour l'inspecteur Mila. Ah ah, notre premier indice. Oh, un papier de bonbons. Comment trouver collier? Je sais. Morphle, transforme-toi en chien renifleur. Suis l'odeur des bonbons. Bon travail, Morphle. Tu as trouvé un autre bonbon. Hein? Qu'y a-t-il, Morphle? Il n'y a plus de bonbons. Il doit y avoir d'autres indices par ici. Ah ah! Notre deuxième indice. Maintenant, on sait qui a pris le collier de tante Augustine. C'est un lapin? Non, voyons, les bandits. Ça doit valoir beaucoup d'argent. Rendez-le-moi. Collier de Tati. Vite, partout d'ici. Viens me chercher. Transforme-toi en Delta Plane. Hein? Ils sont là. Bandit, trop rapide. Morphle, atterris là-bas. Morphle, transforme-toi en araignée. Morphle, Morphle. Prépare-toi à faire une grande toile entre les bâtiments. Maintenant, Morphle! Ouais! On a réussi! Bon travail, inspecteur Mila et Morphle. Vous avez attrapé les voleurs de colis. C'est mon collier! Je récupère ceci. Oh, je vous remercie. Si vous aviez évité cette toile d'araignée géante, nous aurions pu vendre ce collier pour beaucoup d'argent. Winston, Morphle et moi avons fait ce collier avec du plastique recyclé. Oh, tu avais dit qu'il était fait en diamant. Oh, c'est peut-être fait en plastique, mais c'est la chose la plus précieuse que je possède, parce que vous deux l'avez fabriqué. Merci. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Tiens, j'entends le bus, mais je ne le vois pas, Morphle. Oh! Hein? Minibus! Le bus et son chauffeur Stacy sont tout petits. Mais comment c'est arrivé? Je n'en ai aucune idée. Je conduisais comme d'habitude et soudain, je suis devenue minuscule. Nous devons te ramener à ta taille normale. S'il te plaît, dépêche-toi. J'ai des passagers à récupérer. On va t'aider. Morphle, transforme-toi en bus. Ah, Morphle, Morphle. Regarde, tout est minuscule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est l'officier Freeze? Ah! Oust! Éloigne-toi de moi! Oh, oh! Merci, Mila. Les bandits m'ont rétréci au moment où j'allais monter dans ma voiture. Je savais qu'ils étaient derrière tout ça. Mais comment allons-nous les trouver? Je sais! Nous allons suivre la piste des objets rétrécis. Morphle, transforme-toi en voiture de police et rendons cette journée vraiment magique! Morphle, Morphle! Un mini ballon de foot. Ah, bizarre. Un mini commissariat de police. Oh, ils ont même rétréci le camion de crème glacée. Quoi?
pas dans ma ville. Les bandits sont forcément passés par là. Mais où sont-ils maintenant? Une minuscule petite grue. On doit récupérer ce rayon rétrécissant. Attrape ces méchants bandits, Morphle. Donnez-nous ce rayon rétrécissant, vilain bandit. Jamais. Laissez-nous partir. Maintenant rétrécis, Morphle. Qu'est-ce qui se passe? Morphle, attrapez Bandy. Merci pour votre aide, Mila et Morphle. Je pense que vous allez garder cette taille un bon moment. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Vous vous êtes bien amusés à la foire, Mila et Morphle? Oui. Et j'ai vraiment hâte de jouer au goûter avec la nouvelle poupée qu'on a gagnée. Morphle pense que le bébé ne veut pas de thé. Allez, Morphle, rendons ces jours magiques. Animi, tu peux donner vie à notre poupée? Comme ça, elle pourra vraiment participer. Bonjour, Marie la bâtisseuse. Bonjour. J'ai besoin d'un animal magique pour m'aider à déplacer des briques très lourdes. Quelqu'un peut m'aider? Animi pourrait leur donner vie et ils pourraient se déplacer tout seuls. Ce serait génial. Nous revenons bientôt, Mila et Morphle. Les friandises pour animaux magiques ne sont pas de la nourriture pour bébés. Transforme-toi en melon. Je ne pense pas qu'amener le bébé à la vie était une si bonne idée. Emmenons le voir à Nimi pour qu'il le transforme à nouveau en poupée. Monsieur Vanderbouz et Barky! Morphle, transforme-toi en cerf-volant pour faire descendre le bébé de la voiture! Désolé, Géraldo. On t'aidera à le réparer plus tard. Morphle, transforme-toi en camion à benne pour attraper le bébé. Morphle, mort. J'ai une bonne idée. Berçons le bébé pour qu'il s'endorme. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tu l'as fait, Morphle. Animi, s'il te plaît, peux-tu rendre à notre poupée sa forme normale? Morphle pense que bébé est réveillé. Oh, s'il te plaît, fais vite, Animi. Mila, qu'est-ce qui se passe? Désolée, papa. La prochaine fois, on pourra jouer au goûter sans donner vie aux jouets. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, il y a un lion qui va venir vivre aux eaux dès aujourd'hui. J'adore les lions. Morphle aime les lions. Hey!
Morphel. Nous le retrouverons. Morphel, transforme-toi en chien renifleur. Morphel, Morphel. Oui, tu as l'odeur d'Orphel. Allons vite le chercher. Mais ce n'était pas Orphel. Ah, Lilian. Morphel, transforme-toi en une voiture de safari. Morphel, Morphel. Le lion. De quel côté est parti Orphel? Merci. Il pense que le lion est Orphel. Le voilà. Orphel, tu fais peur à tout le monde. Orphel ne fait peur à personne. Morphel, Orphel, Morphel! Allez, direction le zoo! Waouh! Je vous remercie de l'avoir ramené sain et sauf. Allez, viens, Tiddles. Au revoir, Tiddles. Magique avec un animal magique. Regardez, ceci est ma nouvelle invention, le Teddy Zapper. Il peut transformer les humains en ours en peluche. Hein? Oui. Ouh, c'est si doux. N'est-ce pas génial? Maintenant, il est temps de me retransformer. Oh non! Mes pattes de nounours ne peuvent pas attraper le Teddy Zapper. T'as entendu ça? Ouais! J'adore les ours en peluche. Oh, imagine comme nous serions heureux si nous transformions tout le monde en ville en tout petit ours en peluche. Hop là! Oh! Ours en peluche, Mila. Meilleur ours en peluche. Oh. Bandy. Oh, ils ont pris le Teddy Zapper. Pas dans ma ville. Nous allons arrêter ces bandits. Morphel, transforme-toi en tigre. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Votre chapeau magique. Quoi? N'y pensez pas. Hey, retransformez-moi immédiatement. Vous ne mettrez pas la main sur nos chapeaux magiques. Morphel, transforme-toi en T-Rex effrayant. Morphel, on n'avait pas pensé à ça. On doit encore trouver le Teddy Zapper. Vite, attrapons-les. Et si on vous transformait en ours en peluche? Le Teddy Zapper ne fonctionne que sur les humains. Non, je suis un ours en peluche. Oh, tu es si mignon. Ah, super. Maintenant, nous pouvons zapper tout le monde à nouveau. Ah, c'est mieux. Mais pas pour vous deux. Oh,
C'est pas grave, au moins j'aurai un ours en peluche avec moi en prison. Yorn, lâche-moi. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Je dois partir faire quelque chose maintenant, Morphle. Morphle, viens. Désolée, c'est un secret, donc tu dois rester ici. C'est pas grave, je reviendrai bientôt. Bye bye, bye Morphle. Oh. Qu'est-ce qui va pas, Morphle? Où est Mila? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour. Désolée. Elle n'est pas là. Hey. Mila est là? Non, Morphle. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans le coin. Où est Mila? Morphle pleure. Pas dans ma ville. Allez, Morphle, sèche ses larmes. Mila t'attend sûrement à la maison. Pas si vite, Morphle. Tu n'as pas encore vérifié l'arrière-cour. Surprise! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique et de bons amis. Waouh! Waouh! Regardez cette étoile qui traverse le ciel à toute vitesse. C'est une étoile filante. Jette un œil. Ah! Oh, waouh! Savais-tu que lorsque tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu? L'étoile filante réalise les vœux. Oui! Morphle veut une étoile qui fait des vœux. Trouvons un endroit plus haut d'où nous pourrons mieux voir l'étoile filante. Comme le sommet d'une montagne. Morphle, transforme-toi en super costume. Morphle, morphe! Sur le super costume. Morphle, gare!
souhaite que chaque jour soit un jour magique avec des animaux magiques. As-tu hâte d'aller aider April à réaliser son projet artistique, Chroma? Allons-y! Mila! Bonjour, Morphel! Mila? Transforme-toi en ours géant effrayant! Morphel n'aime pas faire peur! Ce sera amusant, Morphel! Allez, fais-le! D'accord, Mila! Allez, Morphel! Faisons en sorte que cette journée soit espiègle! Je veux dire magique. D'accord, Mila. Après avoir peint avec April, nous pourrons tous manger une glace, Morphel. Morphel? Morphel! Ah! Un ours! Salut, Mila et Morphel. C'est une nouvelle transformation? Oui, oui, c'est ça. Morphel rugit. Hein? Maintenant! En avant, Morphel! Regarde, c'est April! Allez! April, qu'est-ce qui s'est passé? Mila? Mais tu étais juste ici avec Morphel! Moi et Morphel? Oh, ça doit être mon reflet du monde des miroirs! Mila la maléfique! Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter! Miam! Morphel! Éloigne-toi d'elle! Je suis la vraie Mila! Non! C'est moi! Je sais! Non! Je suis la vraie Mila! Non, c'est moi! Qu'est-ce que c'est? Ah, Morphel! Transforme-toi en requin effrayant pour les effrayer! Non, Morphel! Transforme-toi en hélicoptère pour t'envoler! Morphel ne sait pas quoi faire! Ce n'est pas ce que je voulais. Vrai, Mila? Oui, tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi. Je vais leur montrer. Mila, la maléfique s'enfuit. Nous devons mettre Monsieur Miroir juste devant elle. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. D'accord. Rentrez chez toi! Jamais! Non! Tu es en sécurité maintenant, Morphel! Morphel et Mila! Mila, Morphel, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphel, transforme-toi en maison volante. Ah, Mila, Morphel, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphel pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison dans la nature? Bien sûr. Super. On pourra tous voler dans la maison volante de Morphel. Le désert est chaud et sec, c'est la maison parfaite pour un chameau. Morphel, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison, pas vrai, Morphel? Oui. Oh oh. Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas.
volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphle et moi de rentrer à la maison. Jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphle. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Tu es là, Chroma. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphle peut aider Chroma à tout repeindre dans ses couleurs d'origine. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Wow, vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chroma font une super équipe tous les deux. Ouais.